sommaire de ce journal, Religion Côte d'Ivoire, FAMSI, Femme d'Action Missionnaire de Côte d'Ivoire, a présenté son projet de construction de foyers et de centres de formation pour les jeunes orphelines. Les détails dans cette édition. Et enfin, environnement, Shell devant le Parlement nigérien. Une bonne nouvelle fortifie jusqu'aux os et le regard lumineux donne la joie au cœur. Mesdames et messieurs, bien-aimés du Seigneur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Béni TV, la chaîne des bénis, pour cette nouvelle session d'information que nous démarrons par l'actualité chrétienne en Côte d'Ivoire. Un foyer et un centre de formation pour jeunes filles orphelines afin de les aider à s'insérer dans le tissu économique et social du pays. Telle est la vision de FAMSI, Femme d'Action Missionnaire de Côte d'Ivoire. La présentation de ce projet a eu lieu le samedi dernier à Abidjan au cours d'un dîner gala en présence de plusieurs partenaires. Eric Bissouma pour le reportage. Un dîner gala pour présenter le projet de construction d'un foyer et d'un centre de formation pour les jeunes orphelines dans le but de collecter des fonds sont les raisons qui justifient cette rencontre organisée par FAMSI, Femme d'Action Missionnaire de Côte d'Ivoire, ce samedi 31 mars 2013 dans un complexe hôtelier d'Abidjan. Les membres de la dite association avec leurs partenaires comptent ainsi donner le top départ de la mobilisation de fonds par cette action. À l'introduction de ce dîner gala, Nelbien Suzanne, coordonnatrice FAMSI, a déclaré que la réalisation de ce projet permettra d'insérer les jeunes orphelines dans le tissu économique et social en leur apportant la connaissance, un métier sous le regard de la parole de Dieu. Aujourd'hui est un jour particulier, un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que le bureau de FAMSI a officiellement été investi. Nous travaillons depuis 2010, mais nous avons choisi ce jour-là particulièrement pour investir le bureau. Voilà, depuis ce matin et ce soir pour notre centre de formation. Nous sommes là ce soir pour que le Seigneur puisse toucher les cœurs. Pour la conception de ce centre d'accueil de formation. C'est un terrain d'une superficie de 5 hectares dans la ville de Grand Bassam qui va accueillir 500 jeunes filles âgées d'au moins 10 ans, annonce Mme Kwaku Ramatou, initiatrice de ce projet. Selon elle, ce foyer réunira toutes les bonnes conditions avec des professeurs qualifiés pour l'encadrement de ces jeunes orphelines. Elle ajoute en soulignant que le projet sera précédé d'une phase pilote. Mais imaginez un seul instant, une des premières images que nous avons vues, une de ces filles dans la rue en train de dormir, qui rencontre un jeune homme. Et parce qu'elle n'a pas envie de passer la nuit encore dehors, elle s'accroche à lui pour en faire un mari. Imaginons un seul instant cela. Quel foyer est-ce qu'ils pourront bâtir? Quelle éducation dans ce temps? À qui vous avez donné tout votre temps pour l'éduquer, pour lui donner l'encadrement qu'il faut. Et que cette femme qui ne connaît pas le Seigneur, qui n'a pas reçu d'éducation, qui a vécu la misère, épouse un tel enfant, un tel homme. Quel foyer bâtiront-ils? C'est donc à juste titre que l'ancien Obi Mathieu de l'église Assemblée de Dieu Temple de l'Espoir de Grand Bassam a exhorté les partenaires à apporter une contribution financière pour la construction de ce centre. Notons que durant ce dîner gala, les membres du nouveau bureau de FAMSI ont été présentés aux partenaires. Plusieurs chantres également ont apporté une touche particulière à ce dîner, notamment Paul Charvy, Lou Suzanne Nazou, Momontania. Créé en mai 2002, FAMSI, Femme d'Action Missionnaire de Côte d'Ivoire, est une association internationale. Elle a pour vision l'unité au sein des femmes à travers la promotion de l'évangélisation par la mobilisation et la formation des femmes chrétiennes. Femme d'Action Missionnaire de Côte d'Ivoire se veut être une force catalyseur qui mobilise pour l'avancée de l'œuvre du Seigneur. Amen. Un projet ambitieux auquel ont adhéré les différents partenaires qui ont pris part à ce dîner gala. Ils ont également salué cette initiative pour soutenir les jeunes orphelines pour leur insertion sociale. Nous les écoutons.
un projet extraordinaire et nous réfléchissons pour voir dans quelle mesure apporter notre appui parce que c'est un projet nécessaire pour le bien-être de ces enfants, de ces jeunes filles qui n'ont plus de soutien, qui sont abandonnées, à qui Dieu permet de leur offrir le gîte et le couvert et aussi la formation et se prendre en charge. Donc, ce soir, j'ai été vraiment séduite par la présentation et que la personne qui porte le projet là reçoit tous les appuis nécessaires pour que ce soit vraiment une réalité dans 3 ans. Mais nous, à notre niveau, nous allons essayer de réfléchir une stratégie d'appui. Je crois que c'est un projet noble du moment où ça consiste à encadrer véritablement les jeunes filles. Et je crois que cet encadrement les amènera à se donner réellement au Seigneur Jésus-Christ. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir les âmes pour le royaume du Seigneur Jésus-Christ, le royaume des cieux. Et je pense que ce projet est très noble et je suis très très contente d'assister, de participer je crois que à cette cérémonie, et je prie Dieu pour pouvoir réellement soutenir ce projet. Nous avons 34, répondu à l'appel de FAMSI, 16, parce que c'est un projet noble. 80, et je crois que 206, c'est le cœur de l'action 01, que le Seigneur attend de nous, à savoir aller 011, et faire des nations des disciples, et surtout, 0, notre 11, Dieu étant le Dieu de 34, la, des veuves et des orphelins, 16, je crois que nous aussi nous devons réagir quand il s'agit 80, des orphelins surtout et des femmes en plus. 206. Et c'est ce qui nous motive à répondre à cet appel. Nous restons en Côte d'Ivoire et cette fois-ci pour parler de sécurité routière. Ces dernières années dans le pays, les accidents de circulation ont pris une ascendance vertigineuse, plus de 49% de 2011 à 2012 selon le gouvernement ivoirien. Et ce sont bien entendu les usagers qui en payent le plus lourd tribut. Et l'OSER, l'Office de sécurité routière, a pris le taureau par les cornes avec la sécurisation de certains tronçons du réseau routier considérés comme dangereux, cela notamment avec l'installation de ralentisseurs de vitesse et de délinéateurs solaires de guidage. Un élément signé RTI1. Les accidents de la route continuent de faire de nombreux morts. Pour faire face à cette situation, l'OSER, Office de sécurité routière, a initié une série d'actions dont l'objectif est d'agir sur les facteurs humains et ceux liés à la route et son environnement. Un projet est donc initié par l'OSER qui entend contribuer à la sécurisation de la circulation sur certains tronçons dangereux du réseau routier à Abidjan et à l'intérieur du pays. En ce qui concerne le délinéateur de guidage, il s'agit de les implanter dans les virages dangereux de telle manière que la nuit, puisque ce sont des délinéateurs solaires, la journée ils sont chargés et la nuit ils éclairent. Et ça donne une sorte de balise au niveau de la section de la route où le délinéateur est installé. De telle manière que l'automobiliste ait plus de visibilité lorsque il négocie son virage. D'un coût d'environ 20 millions de francs CFA, ce projet pilote initié dans le cadre des actions de renforcement de la sécurité des usagers de la route prend en compte l'implantation de délinéateurs solaires de guidage dans la commune de Cocody et l'installation de 4 ralentisseurs de vitesse dans le village d'Assouba à l'entrée d'Aboisso. Ces ralentisseurs ont pour rôle d'amener les usagers à respecter la limitation de vitesse. Lorsque vous abordez un village, vous constatez que la route est équipée de panneaux de signalisation, des panneaux de limitation à 55 km à l'heure, et puis des panneaux qui indiquent des dangers liés à la traversée des piétons. Le panneau seul ne suffit pas. Il faut donc envisager de renforcer effectivement ce que le panneau veut transmettre comme message. Et ce sont les ralentisseurs de vitesse que les usagers semblent mieux comprendre. Signalons que sur nos routes, on déplore en moyenne 6 000 accidents qui font 600 tués et plus de 11 000 blessés.
Parlons à présent environnement. Shell, le géant pétrolier anglo-néerlandais devant le Parlement nigérian, accusé d'être responsable du déversement de la marée noire qui a souillé les côtes nigérianes en décembre 2011. Shell devra payer plus de 11 milliards de dollars de dommages et intérêts à l'Agence nigériane de détection et de réponse aux fuites pétrolières ainsi qu'à l'Agence de l'administration et de la sécurité en mer si sa culpabilité est toutefois approuvé. Pour rappel, en 2011, ce sont l'équivalent de plus de 40 000 barils de pétrole qui se sont déversés dans la mer durant le transfert de la plateforme vers un tanker. C'est l'une des affaires de pollution les plus importantes jamais instruites au Nigeria. L'anglo-néerlandais Shell est accusé d'être responsable de la marée noire qui a souillé les côtes nigérianes en décembre 2011. À l'époque, durant le transfert de la plateforme vers un tanker, c'est l'équivalent de 40 000 barils de pétrole qui se sont déversés dans la mer. Devant la commission parlementaire chargée du dossier, deux agences gouvernementales réclament des dommages et intérêts. La NOSDRA, l'agence nigériane de détection et de réponse aux fuites pétrolières, veut obtenir 5 milliards de dollars. De son côté, l'agence de l'administration et de la sécurité en mer, la NIMASA, réclame 6 milliards et demi. Une amende qui doit servir à dédommager la centaine de villages touchés par le désastre. C'est un total de 11 milliards et demi de dollars qui est réclamé aux géants pétroliers. La communauté n'a jamais demandé de montant spécifique. Ce sont les agences du gouvernement qui ont demandé 5 et 6 milliards et demi en compensation. Les communautés seront satisfaites si la compensation est raisonnable. Les gens ne sont pas avides d'argent, ils veulent seulement vivre, continuer à exister. Du côté de Shell, on juge cette procédure illégale. À l'époque, la compagnie pétrolière avait reconnu la fuite, mais expliqué qu'elle avait été contrôlée avant que le pétrole n'arrive sur les côtes nigérianes. Shell aurait donc dispersé le pétrole sans dommage pour l'environnement. Pour la multinationale, la pollution qui touche les villages nigérians est due au sabotage des oléoducs, ainsi qu'aux nombreux vols d'hydrocarbures qui ont lieu dans le delta du Niger. Un argument que la compagnie veut démontrer en faisant analyser la provenance des hydrocarbures retrouvés sur les côtes. Si tout se passe comme prévu, d'ici le mois de mai, notre prestataire sera sur le site pour commencer ses activités. Et avec de la chance, au troisième trimestre, les analyses seront terminées et les données auront été étudiées en laboratoire. L'Assemblée parlementaire devant laquelle Shell doit répondre n'a pas de pouvoir pour infliger des amendes, mais peut effectuer des recommandations au gouvernement. Si jamais l'amende atteint les 11 milliards et demi de dollars, la somme payée serait de 287 000 dollars par baril déversé dans le Delta. C'est un montant record. En 2010, BP avait dû verser 10 000 dollars par baril à la suite de la marée noire dans le golfe du Mexique. De son côté, Shell préfère communiquer sur les mesures à prendre face aux vols et aux dégradations. En réponse à ces actes, la compagnie vient de menacer de fermer purement et simplement l'un de ses oléoducs au Nigeria. Une parenthèse économie dans cette édition d'information. Comme annoncé, le Fonds monétaire international est actuellement au Caire en Égypte dans le cadre des discussions des conditions de prêt qui devraient être allouées au pays. Mais déjà, des voix contraires se font entendre. Des manifestants étaient rassemblés le mercredi dernier devant la Cour suprême au Caire pour dénoncer ce prêt, un prêt qui devrait toutefois aider au redressement du pays. En Égypte, plusieurs dizaines de manifestants étaient rassemblés ce mercredi devant la Cour suprême au Caire. Ils voulaient dénoncer le prêt actuellement négocié par les autorités auprès du FMI, un prêt censé aider au redressement économique du pays. Les manifestants craignent que cet argent ne bénéficie qu'aux catégories les plus riches. Parmi les protestataires, un ancien candidat à l'élection présidentielle. Le ministre des Finances affirme que l'accord pour ce prêt sera signé d'ici à fin avril. Un autre dit que la signature aura lieu avant les législatives. Moi, j'estime qu'ils n'ont pas le droit de prendre de tels engagements avant les élections. Une mission du FMI se trouve actuellement dans la capitale égyptienne pour des discussions sur ce prêt, dont le montant pourrait s'élever à 4,8 milliards de dollars. L'Égypte a vu ses réserves monétaires fortement diminuer ces derniers mois. Les recettes budgétaires sont elles aussi en baisse, notamment en raison de la diminution du nombre de touristes dans un contexte d'instabilité politique.
Mieux faire connaître le continent africain à travers sa jeunesse vaillante et dynamique qui incarne le nouveau rêve africain, tel est l'objectif des activités culturelles organisées par Sciences Po. Pour l'occasion, un atelier de conte à l'initiative des élèves de la première année du programme Europe-Afrique a été réalisé. Découvrons ensemble avec Alkar. Pour la quatrième année consécutive, Sciences Po célèbre l'Afrique dans toute sa diversité à travers une série d'activités culturelles organisées dans l'enceinte de l'établissement. Pour l'occasion, nous avons assisté à un atelier de conte à l'initiative des élèves de première année du programme Europe-Afrique. L'objectif visé de la semaine africaine à Sciences Po est de mieux faire connaître le continent à travers sa jeunesse vaillante et dynamique qui incarne le nouveau rêve africain. Répondit le bélier. Avec célérité. Poursuivit le chien. Lorsque la force entreprend un long voyage, l'espoir ne peut compter que sur son ami la ruse. On a voulu créer un atelier conte pour faire partager une partie de la littérature africaine avec les élèves de Sciences Po. Donc nous avons choisi de développer des contes d'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons une amie qui est béninoise et donc qui nous a prêté un recueil de contes du Bénin et une autre amie qui nous a prêté un recueil de contes Wolof. Parce que je suis très intéressé par la littérature africaine. Je connais pas très très bien les contes, donc je voulais en écouter quelques-uns et j'ai trouvé ça très 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 sympathique. Voilà, elle lui dit. Mère, viens vite, voilà un mari. Un atelier d'écriture de contes a suivi cette représentation digne de jeunes scénaristes en herbe. À l'arrivée, il convenait de retenir non seulement la méthode, mais aussi le rôle moral et éducatif des contes africains ancrés dans la société. Elle le trouva parfait. Le jeune était grand, élancé et très beau. La fille dit à sa mère, n'est-ce pas que je te l'avais dit ? Comme je te le disais, c'est un bon mari. On a surtout choisi ces contes aussi avec du fait des messages qu'ils véhiculaient. Par exemple, on regarde que dans Kumba, ce qu'on dit tout le temps en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, par exemple. Donc le vieillard incarne une figure de sagesse. Donc c'était aussi important de montrer à travers ces contes la morale que ces contes-là représentaient en Afrique et comment, même s'ils étaient lus aux petits-enfants, comment est-ce que ça participait de l'éducation et de la tradition et de ce qui formait réellement les jeunes en Afrique dans la société. Comment ça jouait un rôle majeur, en fait. J'adore les contes parce que je trouve que ça nous forme, même quand on est petit et quand on est grand, on a toujours ces petites histoires qui viennent avec nous et que ça révèle beaucoup de comment se construit une culture. C'est une expérience riche en enseignements que les jeunes élèves de Sciences Po se disent prêts à renouveler. D'un coup d'aile, le galinacé les vitaires. Qu'à la force avant de frapper, un coup dont elle sait qu'il sera orphelin. Du coin de l'œil, il vit arriver le corps qui s'immobilisa face à lui. Hissé sur la pointe de ses ergots, la crête dressée, il bombait son maigre portail à son asphyxié. D'un air dédaigneux et d'une voix suffisamment forte. Les étudiants égyptiens ne sont pas contents de leur doyen d'université. Le mardi dernier, des centaines d'étudiants ont manifesté devant les bâtiments de la direction de leur université. Les raisons de ce débrayage, une intoxication alimentaire massive. Plus de 500 étudiants étaient hospitalisés après avoir mangé la nourriture servie à la cantine de l'une de leurs résidences universitaires. Les protestataires ont même exigé la démission du président de l'université. Mardi, des centaines d'étudiants ont manifesté devant les bâtiments de la direction de la célèbre université islamique d'Al-Azhar au Caire. En cause, une histoire d'intoxication alimentaire massive sur le campus survenue lundi. Plus de 500 étudiants ont été hospitalisés après avoir mangé la nourriture servie à la cantine d'une résidence universitaire. Les protestataires exigent la démission du président de l'université Osama Al-Abd. Ils y voient ici un signe de négligence de la part du doyen de l'université. L'histoire a commencé avec les salades. Il y avait des vers dans les légumes et puis nous avons trouvé des vers dans le riz. Et finalement, nous avons été intoxiqués. Ils attendent que l'un de nous meure. Personne ne nous répond. Nous avons parlé au président de l'université, Oussama Al-Abd, à plusieurs reprises. Il a promis de résoudre ce problème, mais rien n'a changé.
Le chef du campus doit être puni, ainsi que ceux qui sont responsables de la nourriture. Comment ont-ils permis la distribution de ces denrées pourries aux élèves? Où sont ceux qui surveillent la nourriture? Tout est périmé. Nous parlons d'environ 500 victimes, c'est beaucoup. Vous pensez que ces gens n'ont pas de valeur? Le parquet a ordonné une enquête à la suite de cette intoxication. Le président Mohamed Morsi a quant à lui rendu visite aux victimes mardi matin à l'hôpital du Caire. Dans un communiqué de la présidence, il est dit que le chef de l'État allait suivre de près et personnellement la santé des étudiants. Autre mécontentement, celui des salariés de l'entreprise française Téléperformance. Ils observent depuis ce lundi un arrêt de travail. Les travailleurs réclament de meilleures conditions de travail et une amélioration salariale. Ils sont la voix d'Orange, de Free ou encore d'Amazon. Les salariés tunisiens de Téléperformance, le géant français des centres d'appel offshore, sont en grève. Depuis lundi, les salariés de 4 centres d'appel sur 6 ont décidé de crier leur mécontentement sous les fenêtres du siège de l'entreprise à Tunis. Parmi les reproches des salariés, des conditions de travail très difficiles, harcèlement moral, mutation forcée ou encore licenciement en début d'année d'une demi-douzaine de salariés. Autre source de mécontentement, les salaires. L'entreprise ne tiendrait pas promesse. Les primes mensuelles en particulier ne seraient pas intégralement versées. Les employés se plaignent de ne pas trouver d'interlocuteur auprès de la direction. Chez Téléperformance, on ne voit pas les conseillers ou bien le personnel en tant que personne. On les voit en tant que chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, le fait de dépenser de l'argent les a déjà poussés à commencer à licencier abusivement des personnes qui travaillent depuis 10 ans, depuis 11 ans. Donc ils ont fait des licenciements abusifs. C'est parmi les raisons pour lesquelles il y a nos 3 collègues qui sont en sitting aujourd'hui. À chaque fois que nous faisons une réunion, ils nous promettent une hausse de salaire. Mais le problème n'est pas uniquement le salaire. Il faut aussi que nos conditions de travail s'améliorent. Il y a beaucoup de pression. Ils peuvent vous changer de poste, d'une plateforme à une autre, sans même vous en informer. De son côté, la direction de Téléperformance explique avoir accordé des hausses de salaire plus importantes que prévues, 5% en 2012 et 6% en 2013. Les dirigeants dénoncent un conflit orchestré pour nuire à l'entreprise. D'après l'UGTT, le principal syndicat tunisien, 80% des 4500 salariés observaient la grève en début de semaine. Un chiffre contesté par la direction qui avançait le chiffre de 53%. Pourtant, le conflit social ne devrait pas avoir de réelles répercussions sur les clients de Téléperformance. Pendant la durée de la grève, ils sont redirigés vers d'autres centres d'appel du groupe. Véritable casse-tête chinois pour le président des États-Unis Barack Obama que celui de la loi sur le contrôle de la circulation des armes aux États-Unis. Le président américain doit concilier les défenseurs du Second Amendement et ses opposants qui dénoncent les fusillades meurtrières qui ont endeuillé depuis plusieurs semaines le pays. Barack Obama peine à restreindre l'accès aux armes. Le président américain doit réconcilier les défenseurs du Second Amendement, qui autorise chaque citoyen à s'armer, et ses opposants, qui dénoncent les fusillades meurtrières qui ont ensanglanté de nombreuses écoles et lieux publics aux États-Unis ces 15 dernières années. Barack Obama a choisi le Colorado pour déclarer qu'il n'était pas nécessaire d'opposer la protection des citoyens à la protection du Second Amendement. There doesn't have to be a conflict between protecting our citizens and protecting our Second Amendment rights. Cet État, qui tient tout particulièrement au Second Amendement, vient pourtant de limiter la vente de munitions et d'armes automatiques. C'est au Colorado qu'ont eu lieu les fusillades du cinéma d'Aurora et celle de Columbine. Mais le Congrès ne semble pas prêt à faire avancer le débat. Républicains et démocrates modérés refusent de limiter l'accès aux armes d'assaut, une limitation pourtant promise par le président américain au lendemain de la tuerie de Newton, qui avait fait 26 morts, dont 20 enfants. Nous allons parler d'astrophysique. Le mystère de la matière noire a-t-il été résolu? C'est ce que pensent les scientifiques du CERN et de la NASA. Une expérience menée dans la Station spatiale internationale ISS a permis de détecter ce que les scientifiques pensent être des traces de positrons. Le mystère de la matière noire pourrait bientôt être éclairci. Une expérience menée dans la Station spatiale internationale ISS a permis de détecter ce que les scientifiques pensent être des traces de positrons.
Le prix Nobel de physique Samuel Ting estime que le spectromètre magnétique alpha installé sur l'ISS devrait dans les prochains mois pouvoir dire avec certitude si ces positrons sont bien la signature ou non de matière noire. Je suis confiant, dit-il, qu'avec le temps, avec l'ISS, nous serons en mesure de résoudre ce mystère. Les scientifiques tentent depuis plusieurs décennies de déceler la matière noire. Une telle découverte serait une avancée majeure dans le domaine et la compréhension de la physique moderne. L'un des plus grands mystères du cosmos est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Quelle est cette mystérieuse substance qui maintient l'univers? Ces 80 dernières années, la théorie s'appelait la matière noire. On ne peut pas la voir, mais on sait qu'elle est là. Pour le moment, les observations de l'ISS ne sont pas encore suffisamment concluantes pour écarter d'autres explications. La présence de matière noire dans notre univers n'a jusqu'à présent été détectée qu'indirectement par ses effets gravitationnels. Inondation meurtrière en Argentine, une cinquantaine de personnes ont péri dans le pays à la suite de pluies diluviennes. La région la plus touchée est celle de Buenos Aires qui était sous 2 mètres d'eau. Inondation meurtrière en Argentine, au moins 54 personnes ont déjà péri à la suite de pluies diluviennes. La région la plus touchée est celle de La Plata et de Buenos Aires. La présidente argentine Cristina Fernández de Kirchner s'est rendue sur place. À certains endroits, la montée des eaux a atteint 2 mètres de haut. Des milliers de personnes ont dû abandonner leur domicile. À La Plata, importante ville universitaire, les écoles et les services publics ont été fermés. Aucune structure n'avait été prévue. Les gens ont passé des nuits sur les toits mouillés. Des familles, des enfants, des personnes en fauteuil roulant qui avaient de l'eau jusqu'à la taille. C'est une catastrophe, un vrai désastre. Cet homme explique qu'il y avait de l'eau jusqu'au toit de sa voiture. Regardez les traces d'eau sur la maison. J'ai tout perdu, mes meubles, mon électroménager. La Croix-Rouge argentine a installé un centre de crise et outre les forces de l'ordre, les gardes-côtes ont également été appelés en renfort. Si tu ne peux pas vaincre ton ennemi, fais-en ton allié. C'est ce que Microsoft a fait.